Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un couteau fait par Alexis Lecoq, un jeune coutelier français. Il a d'abord étudié la micromécanique, puis a obtenu un diplôme en armurerie, et il a ensuite travaillé dans le domaine des armes fines italiennes pour finalement arriver à la coutellerie. C'est un coutelier que j'apprécie tout particulièrement puisqu'il est extrêmement humble, alors que pourtant, d'après moi, il fait partie des couteliers qui font les plus belles finitions au monde. Alors ici, je vous présente le modèle rondine, rondine, si on prononce à la française, qui veut dire hirondelle en italien. Puisqu'il faut savoir qu'Alexis Lecoq a vécu de nombreuses années en Italie, il est revenu vivre en France assez récemment. Alors pour ce couteau, on a une lame de 9 cm, une longueur totale de 19,5 cm. La lame est en acier RWL34, le manche est également en acier avec une incrustation en or. Et au niveau de la mécanique, on est sur un pompe arrière. Voilà, alors en ce qui concerne le design du couteau, je le trouve vraiment magnifique. Très différent de tout ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, avec une forme très élancée, très fine, et une courbure comme ça tout le long, qui lui donne un côté unique. Personnellement, j'adore. Je vais essayer de vous montrer tous les détails du couteau et de parler en même temps du niveau de finition qui est assez exceptionnel, en espérant ne rien oublier puisque j'ai énormément de choses à dire sur ce couteau. Alors, la lame a une émouture creuse avec un onglet assez imposant. Si vous me suivez, vous savez sans doute que je n'aime pas les onglets habituellement, mais dans ce cas-là, j'aime bien puisque d'abord, il a une utilité. Effectivement, la lame rentre beaucoup dans le manche et avec ce faux contre-tranchant, c'est difficile de l'attraper. Donc l'onglet est vraiment utile. Et en plus, je trouve qu'il rajoute au design du couteau, de par sa forme qui est droite, comme ça, qui lui donne un côté moderne et qui fait un petit rappel du trait de la vis juste ici. Ensuite, donc, on a ce faux contre-tranchant sur le dessus qui, lui, n'est pas creux, mais plat. Parfaitement réalisé. Qui se situe sur toute la partie qui dépasse au-dessus de la lame, comme ça. Et on a un tranchant polymiroir qui vient finir proprement cette lame. Petit détail que je trouve absolument magnifique, c'est la forme de l'émouture qui suit en fait la forme du manche. On a un petit arrondi à ce niveau-là. Déjà, c'est très esthétique, mais en plus, ça permet d'optimiser la longueur de tranchant que l'on a sur la lame. Parce que s'il n'y avait pas cet arrondi, on perdrait 1 ou 2 mm de tranchant. Donc voilà, un des petits détails que je trouve absolument superbe. Ensuite, concernant le manche, on a cette vis d'axe qui est faite par lui-même, ce qui lui permet d'aligner le trait de la vis et de le mettre vraiment à l'horizontale. Mais en plus de ça, elle est parfaitement ajustée, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument pas le tour de la vis. On ne voit que le trait et on a l'impression que la vis est parfaitement intégrée dans le manche. Je ne connais personne qui fasse des vis aussi ajustées. Donc c'est vraiment magnifique. Le manche donc est en acier. Alors on a beaucoup d'acier puisqu'il fait souvent des collaborations avec des graveurs et ça c'est la culture italienne. Je vous montre un exemple juste ici. Du même modèle mais qui n'avait pas le faux contre-tranchant. Et c'était une collaboration avec un graveur, si je me souviens bien, c'est Fezzardi Simone. J'ai vu ce couteau à Milan il y a quelques années, mais c'est absolument magnifique. Pourtant, je suis pas très gravure, mais là, c'est vraiment superbe. Et on voit même la vis ici, qui est en fait la lune dans le paysage gravé. C'est juste superbe. On revient à notre couteau. Ici, on a une incrustation en or, comme la vis, qui est parfaitement intégrée dans le manche. On ne sent absolument rien au toucher, c'est incroyable, on dirait vraiment un seul morceau de métal. Et même visuellement, on ne distingue absolument aucun jour, nulle part. C'est juste parfait. On ne va pas les voir, mais on a trois petits rivets qui maintiennent cette incrustation en or. On ne les voit pas puisqu'ils sont également en or. Alors ici, je vais vous montrer la photo
parce qu'on les voit un peu mieux. L'incrustation est faite en nacre. Et pour vous dire qu'il pousse le détail très loin, c'est que les trois rivets ont trois tailles différentes. Celui-ci est plus large, un peu plus petit et encore plus petit. On les verra peut-être mieux ici. Désolé, c'est un peu compliqué à vous montrer. Mais voilà, là on voit les trois rivets qui ont trois tailles différentes. Donc voilà, le coutelier pousse le détail extrêmement loin comme on peut le voir ici. Ensuite, au niveau de la finition générale du couteau, on a un satiné qui est très 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 fin, un des plus fins que j'ai jamais vu, qui est quasiment polymiroir, voilà, qui reflète absolument tout. Je pense qu'on n'est pas loin d'un grain 4000, si mes souvenirs sont bons. Il faut savoir que plus on va fin dans les grains, et plus c'est compliqué d'avoir un résultat propre. Voilà, absolument superbe. On a un petit rivet en or ici pour l'axe de la pompe qui est parfaitement positionné à la suite de cette incrustation en or. Moi, ça me fait penser un petit peu à une goutte d'eau, vous savez, qui tombe dans une flaque d'eau et on a une petite goutte d'eau qui ressort comme ça, tac. Ça me fait un petit peu penser à ça. Alors, on en vient à la partie mécanique du couteau. On est sur un pompe arrière. D'une extrême fluidité, c'est très agréable à manipuler. Et c'était un des défis techniques de ce couteau, puisque le pompe arrière donne une contrainte importante, c'est qu'il prend beaucoup de place dans le manche. J'ai un exemple juste ici à vous montrer. On voit ici qu'il y a un système de ressort qui prend beaucoup de place. Alors là, ça va parce que le manche est très large et la lame ressort beaucoup du manche. Mais sur un couteau comme ça, avec un manche très fin, et une lame qui rentre profondément dans le manche, une fois fermée, eh ben, il n'y avait pas la place de mettre ses ressorts. Donc Alexis a trouvé une alternative, c'est qu'il a découpé les platines du couteau pour les transformer en ressorts et faire levier sur le bouton. Voilà, super ingénieux. C'est un petit peu l'idée qui était présente sur un autre couteau que je vous ai déjà présenté. C'était une pièce de Bruno Capuccio et d'ailleurs j'ai même démonté le couteau, donc je vous mettrai le lien juste ici si vous voulez voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc c'est un petit peu la même idée, sauf que là on voit que ça a été fait quand même encore plus proprement et il a même fait des découpes dans les deux platines alors que Bruno Capuccio avait fait des découpes dans une seule platine. Alors on voit donc l'intérieur du couteau qui est aussi bien fini que l'extérieur, et d'ailleurs toutes les parties qu'on ne voit pas sont parfaitement finies parce qu'Alexis Lecoq est un grand maniaque et il se dit dans le futur, si quelqu'un démonte mon couteau un jour, je veux qu'il voit que tout est parfaitement terminé. On a la signature d'Alexis juste ici, très élégante. Ensuite on a un petit rivet en or ici, et ça c'est pour amortir la lame si jamais quelqu'un venait à la lâcher lorsqu'on ferme le couteau. Effectivement, comme le manche est très fin, il n'y avait pas forcément la place de mettre une butée fixe. Donc, il a pensé à ce système-là. Et pour vous dire un petit peu le niveau de finition, il a fait une petite encoche dans l'or, de manière à ce que ce soit les bords de l'encoche qui viennent taper en fait les bords du tranchant juste ici. Et pas le tranchant lui-même. Encore une fois, c'est un petit détail que je n'avais jamais vu sur d'autres couteaux. C'est super bien pensé. Et enfin, au milieu ici, on a une encoche dans le ressort. Ça, c'est si jamais, une fois fermé, quelqu'un venait à appuyer sur le bouton. Ça permet d'éviter que le ressort ne vienne toucher le tranchant. Voilà, énormément de petits détails de finition. On voit que les platines sont arrondies et polymiroirs. Tout est parfaitement fini, parfaitement ajusté. C'est un boulot extraordinaire. La forme de la pompe également est très intéressante. Voilà, et au niveau des ajustages, c'est juste parfait. Et là, ça va m'amener à parler d'un autre détail qui est assez incroyable. Il faut savoir qu'avec l'écran forcé et les pompes arrière,
À force de ouvrir et fermer le couteau, on a ce claque et ce ressort-là peut avoir tendance à s'affaisser avec le temps. Je dis avec le temps, c'est peut-être 10, 20, 30, 50 ans, j'en sais rien. Mais ça peut arriver. Du coup, lui, il a pensé à ça et il s'est dit, je vais faire un ressort un tout petit peu plus haut que la lame. Ça va se voir très difficilement parce qu'en fait, à l'œil nu, en fait, c'est quasi invisible. On va surtout le sentir lorsqu'on passe l'ongle au niveau de la jonction. Et c'est tellement subtil. Je sais pas, ça doit être de l'ordre de 1 centième de millimètre, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais c'est quasi invisible à l'œil nu. À l'œil nu, honnêtement, quand on garde le couteau, on ne voit aucune démarcation. C'est juste au toucher qu'on le sent. Et c'est pour vous dire à quel point le coutelier va loin dans la finition du couteau. Voilà, un travail magnifique. Et je voulais pas beaucoup montrer fermé, mais même fermé, il est très beau, je trouve. Bien évidemment, mais c'est même pas la peine d'en parler, une lame parfaitement centrée. Voilà. Un couteau absolument sublime, rien n'accroche dans les mains, tout est chanfreiné. Un petit détail que je vous ai pas montré, mais au niveau de la lame ici, tout est chanfreiné. C'est juste magnifique. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vais rester là pour cette présentation en espérant que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.